Salut tout le monde, c'est Lincevent qui vous parle, comment ça va? Moi je vais super bien. Et ma lieutenante ici vient de me dire, ah ah, j'avais prédit que vous viendriez ici. Non. Non, t'as absolument rien prévu, hein? Je prévois si je veux, moi. Toi tu obéis et tu fais pas chier. Oui, merci beaucoup. Petit détail que j'aime bien avec les lieutenants, justement, c'est qu'ils disent au revoir et tout, donc... Ok, ouais, de nouveau Dynasty Warriors, parce que voilà, j'ai envie de finir les tutos. Alors, quest. Super. Eh, allons-y. J'ai ma Noble Sword, j'ai mon lieutenant, j'ai tout ce qu'il me faut, donc je confirme. Sauf erreur, il y avait un truc avec les lieutenants qui perdent le moral et puis il fallait leur redonner de la bouffe pour qu'ils aillent mieux. Quelque chose du genre. On peut avoir jusqu'à 10 lieutenants si je me souviens bien. Quoi, data loading? Vas-y. Ouais, ready s'il te plaît. Ready, go! Boum 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 boum. Bien. Ouais bah ok, je vais diffuser une demi-troupe mais... Ok. J'adore les mecs qui apparaissent là. Les mecs, qu'est-ce qu'on fout là? Bah putain, pourquoi elle nous pète la gueule? Ah, mais on a rien fait madame, s'il vous plaît. Ah, non, pitié. Ah, ah, ah. Si, si, vous mourrez quand même. Bon bah, les flasques, ça va pas être trop dur, hein. Ça tombe genre tellement vite. Toujours un truc qui m'a fait rire, ça, notamment dans Dynasty Warriors 3, on a un guerrier surpuissant, hein, mais on a des gardes du corps. Pourquoi? Pourquoi est-ce qu'on a des gardes du corps? Je veux dire, la dernière fois j'ai fait genre 500 KO, pourquoi j'ai besoin d'un garde du corps? Voilà. C'est juste ce combo là que je voulais. Faut que je vais en prendre un deuxième, tiens. De toute façon, je suis sûr que c'est une connerie du genre. Bah, continue à t'entraîner pendant que le temps il va jusqu'au bout, donc autant faire durer un peu. Mon Musou est arrivé. J'avais des super armes qui donnaient le Musou direct. Ça, c'était cool aussi. Excusez-moi, madame, vous auriez l'heure. Ah non, non, ne me tapez dessus pas. Moi, c'est à ça que ça me fait penser, hein, sérieux. Les mecs déjà ils apparaissent, ils savent pas d'où ils apparaissent, hein, ils savent juste que voilà, ils arrivent et ils se font défoncer la gueule. Moi je trouve pas ça sympa comme arriver sur Terre. Hein. Bon, allons-y. Défaite de Gugu. Oh non, pitié. Oh putain. Bon bah allons-y. J'aime pas ces bases là. Ah, c'était ça les Juggernauts, ok. Je me souviens maintenant. Ouais, il crache du feu et des trucs du genre. Ouais, non, mais j'ai pas besoin de destroy les urnes. Moi, tant qu'il crève, tout va bien. Hein. Et il y en a un dernier dans le coin. Vas-y, crache ton feu. Le machin, il a personne pour le diriger à l'intérieur, hein. C'est juste de l'intelligence artificielle. Je veux dire, pour cette époque-là, c'était bien quand même. Ouais, j'ai capturé la base, et donc maintenant, il faut que je capture une deuxième, c'est ça? Yeah. Venez par ici, mec, là. Je vais tous vous tuer, juste pour la forme de tous vous tuer. Ouais, ouais, je vais aller capturer l'autre base, mec. C'est complètement taré, ce pouvoir-là. Attendez, je vais essayer. Et regardez, regardez, elle peut rien nous faire. Ah oui, ça fait du dégât, hein. Défense x 12, ça c'est de la merde. Combo plus, pardon. On va se faire une attaque x 2, hein, pour les juggernauts.
Ouais. Oui, je sais qu'elle qu'elle crache du feu, les statues. Merci, je m'en suis pris une avant. Aïe, mais oh, t'attends que je sois passé avant de cracher ton feu? C'est qui fait oh? Ah, c'est moi. Ah, et elle se marre à la fin en plus. Donc c'est genre, c'est bien une tarée meurtrière, hein. D'accord, le combo plus, ça me fait plus d'attaque de base aussi. Ça, je savais pas. Enfin, je le savais, je pense, mais j'ai complètement oublié. Vas-y, crache ta merde. Voilà. C'était easy. Bon, use the remaining time to train, c'est ça? À tous les coups. Ouais, bien sûr. Les mecs, ils ont pas compris qu'on a juste envie de passer les quêtes rapidement, tu vois. Pas d'aller tuer encore pendant 3 minutes, non, on s'en fout de ça. Parce que ça ne fait que utiliser la durabilité de mon arme. Hein? Le moral de mon lieutenant. Destruction x3. Oh, ah oui, je me souviens. Vous êtes tous morts. Bon bah voyons combien de je peux faire de KO entre deux. Allez hop, encore un petit défense x2 aussi quand on y est. Je n'utilise jamais la défense. Il y a plein de slots qui sont pas utilisés sur cette arme. Hein. Sérieux, ça m'énerve un peu. Un petit lieutenant en plus, tiens, on peut pas assez de dégâts pour l'instant la mienne. Yay. Attaque x2, je m'en fous. Je les tue limite en un coup d'épée donc. Eh oh! Se calme! Y'a que moi qui ai le droit de taper ici. Bon bah on dit pour life plus. Eh, vous êtes mort quand même, même si j'ai tapé que deux coups. Ah, c'est chiant, c'est chiant. Je veux dire, à quoi ça sert de te dire use the remaining time to train? Juste finissez la mission, c'est bon, j'ai capturé les bases, y'a plus rien à faire là. Oh, on va voyager un peu, tiens, on va aller vers le drapeau. Ouais, c'est ça, suis-moi bien avec moi. Si t'as envie. En fait, le mec était juste là. Madame, madame, vous auriez l'heure, s'il vous plaît. Madame, madame, j'ai vraiment besoin de savoir l'heure. Et non, moi, je suis juste parti comme un trou du cul. C'est triste. Ouais, il me semblait qu'il y avait un chemin pour aller là, à droite. Ah, oui. Il y a bel et bien un chemin. J'adore comment les gens te laissent passer, tu sais. Genre, tu te diriges vers leur base de manière évidente. Pour détruire leur drapeau, leur base, etc., etc. Ils te regardent passer, ils te courent après 30 secondes, et puis après ils disent ah non, 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 le chef nous a pas dit d'aller aussi loin, hein, nous on poursuit pas, ok? Non, ok, d'accord, on poursuit pas. Belle conscience professionnelle de la bataille, les gars. Ça fait plaisir à voir. Par contre, je change de tenue assez rapidement à mon personnage là parce que. Fou là là. Vous allez tous crever. Toi compris. Tu veux bien te relever, s'il te plaît? Ouais, bon. Toi ou ton copain, hein. Et je vais vous avoir les deux avant la fin du timer. C'était beau. Et ouais, j'en ai même fait plus que ce que tu voulais, enfoiré. Avec un bon grades pour la fin. Et une fois que j'aurai fini les tutos, bah, je pense que la première chose que je vais faire, c'est m'acheter des nouvelles armes. Et je pense que les parties de 20 minutes, c'est largement pas assez pour Dynasty Warriors, donc on va faire un peu plus de 20 minutes à chaque fois. Déjà parce que j'ai du mal à quitter ce jeu dès que je l'ai commencé. Ça aussi. Ouais, acquire, next, confirm, next... Merci beaucoup. Bon bah allons-y. Ah, j'ai atteint le level 2. Youpi.
Oh, il pleut. Non, c'est pas grave. Ouest. Bah, je peux pas. You may only take on up 5 quests at a time. Quoi? Mais je les ai finis! Ah, d'accord, il fallait juste. Ah, il y avait plein de récompenses et je les ai jamais prises en fait, je suis un débile. Non, 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 stop. Non. Je veux juste. Yep, merci. Je vais juste prendre les récompenses. Mais non, mais... Je voulais prendre ma récompense. Gueule. Des fois, il comprend pas le mec, hein. Des fois, c'est un crétin. Ah ouais, super, je vais devenir un caporal. Un caporal, c'est de la merde, il faut vraiment que je devienne un garde. Ouais, super, y'a personne d'autre à attendre, ça pourrait démarrer. Merci. J'adore, les mecs, c'est des Shadow Warriors, les ennemis, en fait. Je veux dire, c'est des Ryu Hayabusa. Hein. C'est des Ninja Gaiden en puissance. Ouais, puis je dois faire quoi? Oh bah si, il s'agit de tuer tout le monde. C'est jouable, hein. Qu'est-ce que je fais de mieux? Il y a des flasques peut-être, oui. Des fioles, des flasques, des gourdes, voilà, je vais appeler ça des gourdes. Vraiment que je trouve un nom définitif à donner à ces machins. Sérieux, à pas avoir le quatrième combo dès le départ, je trouve que c'est un peu abusé quoi. C'est genre le truc qu'on utilise tout le temps et puis on nous donne qu'après le truc combo. En même temps ça ajoute un peu de challenge, hein. Ça encourage à... Ah, il y en a un là-bas. Vous allez voir, une fois que j'aurai le combo, paf, ça va tout de suite aller mieux, hein. Combo plus. Ok. Faut juste que je batte les ennemis, en fait. D'accord. Bah voilà, ça va être fait, hein. Ça va vite être fait, d'ailleurs. Oui. Wow. Bah ben non, faut pas que je batte les ennemis, je sais pas ce qu'il faut que je fasse. Ah bah je suis en train de massacrer tout le monde, mais ils reviennent. Monsieur, ils reviennent les ennemis, c'est pas drôle. Ouais, ça vous fait du bien. Hein. Non mais sérieux, je dois faire quoi les gars? Oh, parce que là les ennemis reviennent. Et c'est pas que ça m'énerve, mais si ça m'énerve en fait. Venir s'il vous plaît. Voilà, tous au même endroit. Que je vous élimine. C'est quoi le but? Je dois faire quoi? La mission s'il vous plaît? Vous pourriez me la dire éventuellement? Non? Si? Mais non, ils reviennent pas les ennemis. Si, ils reviennent, regardez. Vous allez crever une bonne fois pour toutes, oui? Ah, c'est pas vrai ça! Faut que je fasse monter le moral à fond, c'est ça? Faut que je fasse quoi? Je vais peut-être lire les instructions avant le démarrage, hein. Ah oui, il faut que je combatte comme ça pendant 7 minutes, et puis. Dites les mecs à l'intérieur là, vous pourriez peut-être venir aider? Bah, je sais pas moi, hein. Puis là, vous pourriez rentrer, essayer de prendre notre base. Ah, mais c'est des gonzesses, je comprends mieux. Oui, ce commentaire était entièrement sexiste. Vous pouvez me bannir, me défoncer pour ça. Je n'ai aucun regret. En tout cas, elles tiennent pas longtemps et puis elles poussent des cris très suggestifs quand elles meurent. Excuse-moi, hein, mais c'est quand même vrai. Youpi!
C'est bon. Mais vous meurez tous. Vous meurez tous quand même. Vous allez tous meurir. Ouais, elle pète un plomb au bout d'un moment, mon personnage. Bon, je sais pas pour vous, mais moi je trouve cette mission passionnante. Bon. Je vais quand même aller faire le tour de la carte, hein, voir s'il n'y a pas un truc à récupérer ou autre. Parce que... faites pas attention à moi, les gars, je fais que passer. Bah, ouais. Ok, d'accord. Bah. Défonçons-leur juste la gueule et puis on n'en parle plus, hein. Y a rien à faire, sérieux. Je dois juste combattre pendant 7 minutes. C'est pas la meilleure des quêtes qu'ils aient pu donner dans le jeu, hein. Je me rappelais pas que la quête de Caporal était aussi chiante que ça. Enfin. C'est tout? Fallait que je fasse 300 KO? Ah, d'accord, c'est tout! Oh là là. Moi, je croyais qu'il fallait que je combatte pendant 7 minutes et faire monter le moral à fond. Attends, 300 KO, c'est tout. J'en ai fait 800 avant. En quoi c'est difficile? En rien. Ce n'est pas difficile. Bon, maintenant que je suis caporal, il y a des nouvelles choses qui se passent, non? Merci, merci, merci. Voilà, bon. Oui, move. Vas-y. Non, il se passe rien du tout. Ouais. Ouais, j'ai complété la quête du caporal. Bon, bref, il faut que je fasse mes quêtes, moi. Il faut que je récupère mes trucs déjà. A chaque fois, il me file un 7 AT. Hein. Hiring lieutenant, c'est bon. Et les infanteries base. Mais j'ai déjà fait ça! Mais non, mais. Je l'ai déjà fait. Je sais que je l'ai déjà fait cette quête. Mais j'en ai marre. Pourquoi à chaque fois que je fais une vidéo, il y a les chiens qui aboient? J'en ai marre de ces conneries. Captain Base. Officer Base. Tank Base. Mais Infantry Base, j'ai déjà fait. Oh bah merde, d'accord, je vais la refaire. Je te jure. Ah, super. Non, les infanterie base, je suis sûr que j'ai déjà fait, quoi. Je sais pourquoi les chiens boyent en fait. Parce que à chaque fois que je fais une vidéo, ma mère en profite pour aller faire des courses et elle revient. Et les chiens, ils en ont rien à foutre que je fasse une vidéo. Donc à chaque vidéo, vous entendez mes chiens qui aboient, c'est bien. Bon. Ouais, je sais, je connais, merci. En juste 3 plombes aux conneries. Non, j'ai pas besoin de persévérance. Je vais juste aller leur défoncer la gueule sans la moindre flasque. On n'en parle plus. Mais non, j'ai pas encore fait ça. Je croyais que c'était des trucs avec les capitaines et tout, mais non, c'est juste le coup des troupes. Venez voir par ici les filles là. Allez hop, tous ensemble. J'ai pas besoin de zoomer pour voir les ennemis. Merci, j'ai des yeux. Non, j'ai pas. Ça me rappelle un peu le mec là dans Star Fox. Arrêtez pas de dire do a barrel roll, do a barrel roll, do a barrel roll. Puis toi t'es là, non, je m'en sors très bien sans, mais le mec il veut que tu fasses un barrel roll. Hein. Ouais, je m'en fous. Je te lis pas depuis tout à l'heure, mec, tu parles dans le vide. Si on était au téléphone, là j'aurais juste filé le téléphone à un pote en disant ok, tu fais juste un oui, un oui.
Hein, et il croira que quelqu'un l'écoute. Là, il faut vraiment que j'y aille. Désolé de t'imposer ça. Et le pote dirait non, c'est normal. Hein. Je le connais, ton instructeur, il est chiant. Il croit toujours qu'il est important, qu'il y a quelqu'un qui l'écoute, alors que en fait, non, pas du tout, quoi. C'est bon, j'ai defeated de toutes les troupes. Non. C'est pas grave, on va continuer. Bah, dis-moi, mon lieutenant, plutôt que de rester comme ça, devant les ennemis, je sais pas, défonce-les. Super. Non mais tu te fous de moi. Non mais alors vos idées pour rallonger les durées de vie des missions, hein. Vous avez capturé une base d'infanterie, capturé une autre base d'infanterie. Ouais. Sinon, quelle est la différence avec ce que je viens de faire? Je veux dire, c'est pas de la chance hein, qui fait que je l'ai capturé. J'ai pas besoin de vérifier mes habiletés. De toute façon, la chance, ça marche pas dans ce jeu. Ah, bon, je vais quand même prendre une fiole de combo, parce que sinon, ça va un peu long. Hein. Pourquoi est-ce qu'il est en slot 7, mon combo? Ça, j'aimerais... C'est dans... ça fait partie des choses dont j'aimerais bien connaître la raison. Je veux dire, parce que vous vous te foutre des défenses x2 et des attaques x2 qui durent 5 secondes et dont tu ne te serviras jamais. Ça. Voilà. Maintenant, je me casse. Et attendez, je récupère juste vos pièces. Vous en laissez. Oui, vous en laissez. C'est gentil. Casse-toi! J'ose cette gueule. Restez à distance, merci. Je suis en train de récupérer les fioles. C'est un boulot très dangereux. Ah. Tac, on met plus et on se casse. Non mais je fais que passer les gars, hein. De toute façon vous allez pas me suivre. Oh les gars, regardez un ennemi, courons lui après. Ouais, mais pas plus de 2 secondes, ok. Ouais, ok. Ben voilà, elle est partie. On peut venir un peu tous ensemble, voilà par là, nickel, bougez plus. Faites un sourire pour la photo. Ah là là. Pourquoi est-ce qu'on a mis ces mecs là pour défendre la base, sérieusement? Je me pose la question. Je veux dire, ces mecs là, c'est de la chair à canon, hein. Enfin, de la chair à épée en l'occurrence, mais vous avez compris le principe, hein. Mais je dois reconnaître une chose, c'est assez défoulant de tout se défoncer comme ça pour prendre une base, hein. C'est-à-dire au pire devant le juge, je pourrais m'expliquer, je pourrais dire « Mais monsieur le juge, c'était juste pour capturer la base. Je les ai pas tués par pur plaisir et sadisme, voyons. Ne vous méprenez pas, monsieur le juge. » Voilà, tous ensemble, s'il vous plaît. On forme une grande famille d'amour, de joie et de paix. Ben, j'avais oublié qu'elles étaient aussi longues que ça à prendre, ces putains d'infanterie base. Voilà. J'aurais dû continuer les quêtes hors caméra. Parce que moi j'ai quand même hâte de vous montrer des vrais combats. Mais bon, là ça va être 3 vidéos de quêtes, de quêtes, de quêtes. Parce que Area Game, ils ont pas trouvé mieux à faire, quoi. Ils se sont dit que les gens, non, ils voulaient pas jouer tout de suite contre des joueurs humains. Non, non. On va leur imposer 37 millions de quêtes qui durent 3 heures. La première fois que j'avais joué, toutes ces quêtes m'avaient déjà fait chier. Pourtant, c'était la première fois que je jouais, hein. Tiens. Capture un auteur infanterie base. Vous pouvez utiliser le temps restant pour vous entraîner. Mais... ouais. Y'a pas moyen d'arrêter? Non, sérieusement, y'a pas moyen d'arrêter. J'ai pas envie de m'entraîner pour 2 minutes, ça sert à rien. Tout le monde s'en branle. Moi le premier. Putain, c'est vachement lumineux ici. Attendez. Hey, je peux donner des coups avec l'épée. Enfin, avec l'épée, avec ma souris. Ah oui, j'ai une épée pour faire basculer mon curseur de souris. Vous avez pas ça, vous? Oh là là, les has-beens que vous êtes. Tiens, j'ai fait un max speed. Ah ouais, elle est un peu plus rapide. Bon.
Elle a perdu de la vitesse, faudrait remettre de l'essence. Quelqu'un qui se dévoue? Je vais pas vous expliquer comment remettre l'essence dans une femme. Hein. Je sens qu'il y a des associations féministes qui vont me tomber sur la gueule, moi. C'est pour ça que je précise tout de même qu'il s'agit d'humour et de second degré. Ceux qui me prendraient au sérieux sont encore plus stupides que moi. J'adore comment les mecs par terre peuvent t'empêcher d'avancer. C'est-à-dire que le mec il est par terre, il est complètement sans défense, mais tu ne peux pas lui marcher dessus. Et je veux bien le respect de l'ennemi, tout ça, mais bon, on est quand même en train de les tuer, donc bon, là on marche dessus, qu'est-ce que ça change au final quand on y réfléchit? Je suis sûr que là il y a quelqu'un qui va arriver avec une autre explication dans les commentaires. Non, la Chine ancienne, marcher sur son adversaire était considéré comme un grand déshonneur, donc il pouvait pas, et blablabla, et blablabla. Ouais, bon, bah. On n'est pas dans la Chine ancienne, hein, on est dans l'Europe et l'Amérique moderne. Donc voilà quoi. Ça me fait rire d'appeler ça genre la Chine ancienne. C'est quand même savoir qu'à l'époque où c'était vraiment, c'était la Chine moderne. Ah. Même si ça nous semble très très loin, il y a quand même une époque où tout ça c'était moderne. C'est plus le cas aujourd'hui, ok, mais bon. Hey, time's up. Je me souvenais pas que j'avais mis un petit tatouage sur le front. Ou alors ça vient avec l'armure? Je me souvenais pas que j'avais fait un petit tatouage comme ça sur le front. Ah, elle est jolie, c'est principal, hein, je te dirais, mais... Ce petit tatouage me dérange. Ok, donc on peut voir en haut à gauche que l'équipe des losers, c'est apparemment l'équipe de Suce-moi. Avec les petits carrés rouges, hein. Par contre, moi, dans l'équipe de Kao Kao, je suis pas mal. Allez, hop. Eh ben, quest, hein, j'ai pas le choix. Qu'est-ce qu'il me reste d'infanterie base? Merci pour le service AT, hein. TNG, Captain Base. C'est quoi ces espèces de petits yeux à côté, là? J'ai tout fait, là, c'est bon. Non, je veux pas les refaire, j'ai déjà fait ces missions. C'est quoi, ça? Non, merde, j'en ai marre, là, je vais aller combattre contre des vrais joueurs, parce que j'en ai plein le cul de vos quêtes de merde. Comment on sort d'ici, déjà? Xiao Dunes. Kao Kao Sword. Non, j'ai pas envie d'être avec Kao Kao. Voilà, je vais aller me choisir un commandant. Je vais aller me choisir un commandant et on n'en parle plus. Bon, ici, y'a personne, y'a personne. Je veux une femme comme commandant. Xuzu Office. Attendez, Xuzu c'est... Xuzu c'est une femme, je crois. Il est où, Xuzu? Ah, putain. Je vais en chercher un autre. Jamais là, les généraux, quand on a besoin d'eux, hein. Xuwang, c'est une femme ou un homme? Non mais c'est pas vrai quoi! Je veux dire, ils sont où ces abrutis? Et ils sont allés aux chiottes ou quoi? Dian Wei. Non mais sérieux, ils sont où les généraux? Sérieux, j'ai besoin d'un général! Ah oh, mais va te faire foutre quoi! Je veux juste me prendre un général et faire des missions contre des humains. Parce que j'en ai marre de faire des quêtes. Si j'ai envie de faire des quêtes contre des ordinateurs, je fous Dynasty Warriors 3 dans ma PS2. Sérieux, les mecs de chez Area Games là, ils ont pas compris le concept de se battre contre d'autres joueurs, hein.
On n'a pas envie de le faire après 2 heures de quête. Peut-être qu'elle va juste apparaître en fait. C'est juste moi qui... I make the quest reward payment whenever the general is unavailable. Mais va te faire foutre quoi. Personne qui est là. Je suis obligé de me faire ces tutos de merde là. Je vais tous me les faire hein. Va te faire foutre, mais va te faire foutre quoi. C'est de la mécanique de jeu pourri ça. Tiens, le garde il me dit quoi lui? Salut garde. Je peux te parler? Non. Kao Kao, notre chef de guerre, hein? Il est là? Non mais va te faire foutre. J'ai pas envie d'être avec toi. Super. C'est quoi? C'est pour avoir un café gratuit dès que j'ai tout? Go find the general. Well, c'est ce que j'essaye de faire depuis tout à l'heure, mais il y en a pas un seul qui est là. Bon, moi je veux bien réessayer, hein. C'est Odunes. Peut-être qu'il est revenu des chiottes entre deux. Non? Y'a personne? Oh bah ça sert à rien, quoi. Je suis obligé d'aller me faire ces quêtes pourries. Bah vous savez quoi? Je vais mettre l'enregistrement sur pause, hein, faire les quêtes et aller me chercher un général. A tout de suite les gens. Il y a des fois, Sanael, il faut pas trop lui en demander. Je veux sortir, allez-vous la sortie, putain, allez-vous la sortie, j'étais sûr qu'il y avait une porte ici, c'est pas possible, pourquoi j'arrive pas à sortir, Alors, les gens, j'ai fini toutes les quêtes de merde, mais du coup, maintenant, pour les batailles training, parce que on ne peut pas choisir de général avant d'être garde, hein. Pour être garde, il faut s'entraîner, sauf que comme il n'y a plus personne qui est de mon niveau depuis le temps, eh ben, je vais devoir m'entraîner tout seul, contre l'armée de Sun Tzu. Il a vraiment un nom pourri, hein. Et c'est à ça que ressemblent les batailles contre les vrais ennemis, enfin les ennemis humains, hein. Et c'est juste un capture the base, ok. Alors je vous explique le principe, hein, c'est simple, c'est comme dans les tutos en fait. On reste à proximité des ennemis, on se prend des fioles. Et on va capturer les bases. C'est tout bête. Là tout ce qu'il me faut c'est le combo moi. Une fois que j'ai le combo je suis heureux. Tiens. On dirait qu'il y a un joueur qui veut se fitter avec moi. Oui ça ressemble à ça hein. Salut Changpu. Quel prénom de merde tu tapes mec. Oui, j'aurais pu attendre qu'il y ait des joueurs pour m'entraîner, mais voilà, j'ai vraiment vite envie de passer garde, histoire de pouvoir continuer. La musique est vraiment sympa sur cette partie. Voilà, j'ai un combo plus, je vais déjà pouvoir aller arrêter les mecs qui sont dans nos bases. Parce que oui, maintenant on se fait attaquer, hein, si. On se fait attaquer. Ouais, allons-y. Let's get this battle going. Ça va? Ah ouais, elle going cette battle, hein. Bon, inutile de dire que contre eux, il n'y a pas vraiment besoin de se protéger, hein, c'est... Voilà. Oh, vous savez quoi, je vais juste capturer les bases, on n'en parle plus, hein. J'aurais pu le tuer dans mon sommeil. Oui, on a des provocations quand on tue des ennemis. J'ai toujours trouvé ça assez marrant, moi. Surtout que l'ennemi, il les prend assez mal, d'ailleurs. Je crois que j'avais déjà fait une arrogante, en fait, la première fois que j'ai joué. Ah, c'est Juggernaut. Allons-y.
J'aime pas de me faire ces machins, d'ailleurs, c'est d'ailleurs bien pour ça que c'est moi qui me les fais, parce qu'il n'y a aucun ordinateur qui veut se les faire, visiblement. Enfin. Après, bah après cette mission, on va s'arrêter là, parce que je crois que cette vidéo est déjà beaucoup trop longue. Mais genre, énormément trop longue. Ça m'a pris 40 minutes de finir les tutos. Alors il faut que je dise un truc à Area Game là, même s'ils verront probablement jamais cette vidéo. Oui, tu te calmes, Samael. Mais non, tu l'oses pas. Donc je vais dire un truc à Area Games. Quand on a fini une quête, on veut juste la finir. On veut pas utiliser le temps restant pour s'entraîner comme on veut. Hein ? On veut juste passer à la suivante. Parce que les quêtes par nature, c'est chiant. Hein? Donc on n'a pas envie d'y passer plus de temps que nécessaire, les gars. Bon, visiblement, ils vont pas réussir à capturer quoi que ce soit sans mon aide, donc allons-y, hein. Ah, un bon petit 100 KO, ça fait du bien. Allez, hop, damage plus, c'est bon. Et maintenant, on va capturer. On s'emmerde pas. Ces vidéos de Dynasty Warriors sont vraiment trop longues. Et ensuite, bah tant pis, hein, pour la suite, je ne filmerai pas jusqu'à ce que je passe garde. Ouais, il faut juste Diffy de Captain. Eh bien, allons-y. Diffitons les Captains. Hein, s'ils veulent bien se relever. Moi, j'adore quand ils restent 10 ans par terre comme ça. Je sais pas à quoi ça leur sert. C'est juste pour montrer à quel point ils sont lâches ou quoi? Voilà, vas-y, lève-toi. C'est gentil à rester par terre, mais c'est chiant. Et ça va pas te sauver. Visiblement, faut pas compter sur l'ennemi pour essayer de nous piquer des bases, hein. Ils ont pas l'air très très doués, là. Je sais pas, je vais peut-être aller les aider après. Nos ennemis, hein, nos alliés, je m'en fous un peu. Je suis avec eux. Mais les ennemis, je vais peut-être aller les aider. Bon. T'en as plus qu'une base et c'est fini. Allons-y, hein. Oui, c'est de l'entraînement maintenant, hein. Je dois faire une mission d'entraînement. Je sais pas si après ça je passe garde. J'aimerais vraiment. Faut que je fasse quoi? C'est quoi là le but? Ah, défi de troupes. Ok. Que personne ne capture une de nos bases entre deux, hein. J'ai pas envie de devoir tout recommencer, merci. Ouais, j'ai un de nos alliés avec nous, mais il sert pas grand chose, hein. Oh. C'est toi le... l'allié? Oh putain, c'est quoi l'arme que tu te payes? C'est juste abusé. Faut venir par ici, les gars, s'il vous plaît. Pousse par ici. Mais oui, je vais capturer les bases as quickly as possible. Calme-toi, Samael, je t'ai rien demandé. Eh oui, t'as plus beaucoup de vie, mais je peux pas y faire grand-chose, hein. Y a pas d'oignon dans le coin. Enfin, moi, j'ai toujours cru, après confirmez-moi le contraire, hein, que quand on a la vie à fond et qu'on prend les oignons, ça donne la vie au lieutenant. Enfin, je me dis, ça me semble logique, mais bon. Vu qu'il peut pas en prendre. Pourquoi vous êtes deux ici, les gars? Je veux dire, on n'a pas besoin d'être autant. Cassez-vous juste, vous me troublez, là. Ah, bah voilà. Ce fut easy, faut dire, hein, quand même. Contre les joueurs humains, c'est pas aussi facile, hein. C'est des parties qui peuvent se finir en time-up. Bon, je suppose que je suis toujours pas garde, hein. Wow! C'est joli, ça! Ça me fait plus de vie et plus de speed.
Je suis toujours pas un garde, hein. Bon, wardrobe, on va voir ce que c'est. Wouah, c'est c'est sympa. Attendez, attendez, je veux juste voir à quoi elle ressemble. Waouh. Je veux dire, on va au combat avec ça? Bon, allez, hop, allons-y, allons au combat avec ça. Est-ce que je suis garde, s'il vous plaît? Dites-moi tout. Info, personnel, caractère, corporal. Il faut combien d'honneur déjà pour être garde? Je sais plus. Enfin bref, si la vidéo vous a plu, n'oubliez pas de vous abonner, de laisser un j'aime, de commenter, de partager la vidéo sur vos réseaux sociaux et avec vos amis, et de finalement me rejoindre sur ma page Facebook qui est dans la description de la vidéo. Voilà, sur ce, moi je crois que je vous ai tout dit, donc ciao les gens, c'est The Nice Band pour vous servir, bye. Cercle rouge une fois, triangle bleu une fois, green rectangle deux fois, alors... Cercle rouge une fois, tac, tac, tac... You can no consider yourself as intelligent. Ouais. Et dis donc, mon niveau, mon potion TQ, elle a vraiment augmenté.